étaient macérés, collés déjà prêts. Là, ils sont en train de, vous voyez, les pommes de terre dans le extérieur pour mettre, pour faire le mélange ici. Les légumes, je vais mettre ça à la fin, ça ne met pas long. Ça, ici, j'ai fait cuire les pommes de terre avant, j'ai macéré. Voilà, et là, je mets dans le extérieur. Le poulet aussi, j'ai mis dans le extérieur déjà pré-cuit. La tomate est déjà prête pour aller à la, comment on appelle ça, carottes, vous voyez, non? Bonjour les mamounes. Voilà, je vais mettre ça tout. Oh, je ne suis pas bien fermé. Coucou les mamounes. Maintenant, je vais enlever ça. Après, je vais mettre ça en même temps que le poulet. Enlève les... Ce que je fais pour vous montrer. Hein. Ouais. Macéré. Bien croustillant. Très bon. C'est très, 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 très bon. Je vous assure. C'est la demande des enfants. Changer un peu. Vous voulez manger le, la poule du. Vous voyez, maintenant je vais encore charger là, mettre là. Voilà. Oups, c'est beaucoup. Ça, il faut même 3 tours. Il va rester 4 petits, hein. Mais bon, je n'ai pas le choix. J'ai mis un peu d'huile d'olive. J'ai mis un peu d'huile d'olive, vous voyez. Partagez les mamans. Coucou, Mamoun. Diana. Merci. Grâce du con, coucou. Oh, mon bébé Claude, la douce. Ta maman à la cuisine, on me voit. Je vous montre encore ce que je suis en train de faire. Voilà. Là, c'est déjà... Oh, pas fermé. Ouais, là, je vais mélanger ça avec le poulet qui est déjà prêt. Prêt, les légumes, je vais mettre ça en même temps, ça ne met pas long, 2 minutes. La tomate est déjà, je vous assure que c'est succulent. Mmh. Oh, la tomate, la couleur seulement. Bon, j'attends le deuxième tour pour faire le mélange. Ah, j'allais prendre mon pote, mon. Faut prendre mon ma carte. Prends ma carte. Amène mon porte-monnaie. Tu as déjà pris. Ok. Donc, voilà. Partagez alors. Ah, mon bébé à moi, Flore la douce. Merci pour ton amour, ma chérie. Yamène, bonjour, Gisèle. Maï, bonjour. Merci. Merci, mes amours. Pour le 2, il y a un partenaire qui a appelé tout à l'heure pour son billet. Comme je n'ai pas de billet avec moi ici, vous récupérez vos billets à Paris. Si vous êtes loin, vous voulez qu'on envoie vos billets par poste ou non, quand vous achetez votre billet, on filme, on vous envoie votre billet avec le numéro, et quand vous êtes à Paris le vendredi avant la soirée, on vous remet votre billet au restaurant Le Chalet. Je n'ai pas de billets avec moi parce que je suis loin. Les billets sont au restaurant Le Chalet. Donc, n'ayez pas peur. C'est tellement bien organisé, la soirée du 2. C'est bien, c'est tellement bien organisé. Donc, quand vous prenez vos billets à distance, n'ayez pas peur, on va faire, on vous envoie la capture de votre billet. Et votre billet, il y a un numéro. Et quand vous arrivez, oui, ça. Ton visage est blanc. Et quand vous allez arriver, pour récupérer, on va. Est-ce que tu as un problème? C'est un problème. C'est qui veut? Et Claude, nous t'allons non. Vegeta, que Gisèle. Oh, maman Juliette, Cécile. Vraiment. C'est Dieu qui est fort. Coucou Claudia. Partagez mes amours. Donc, Lolo vous dépasse. Comment tu vas, ma maman? Oui, c'est quoi
j'envoie par j'envoie le code par Donc, n'ayez pas peur. Quand on vous envoie, on filme votre ticket. Les mamans qui sont loin là, quand on va filmer, vous allez avoir votre ticket. Votre ticket. Voilà, vous allez avoir votre ticket avec votre téléphone. Le même numéro, ça ne change pas parce que c'est très, elle a très bien organisé sa fête. Donc, n'ayez pas peur quand on vous envoie. Coucou Lolo, comment tu vas, ma Mamounsou? Tu iras comment? En cuisine, oui, je suis en train de faire, je vais commencer le mélange. J'attends que vous connectez. Donc, je fais le poulet. J'ai braisé le poulet. J'ai fait cuire. J'ai braisé au X-Flyer. J'ai fait cuire les pommes de terre que j'ai braisées avec un peu de laurier et du sel. J'ai fait ça hier dans la nuit. Aujourd'hui, j'ai enlevé la peau, j'ai macéré comme ça. Ça te donne un très bon parfum. Vraiment, les pommes de terre, c'est sucré, c'est bon. Donc, ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà frais, la tomate. Donc, je vais faire le mélange avec ces légumes. Il y a déjà la carotte à l'intérieur. Donc, voilà le menu. Je suis comme un DG, voilà, en pommes de terre, quoi. On peut dire ça comme ça. Le poulet, c'est bien tendre. Bien tendre, donc c'est pas du, c'est moelleux quoi. J'ai peur. Maman de ceci, hey, vous n'avez pas la paix. Voilà. Donc, les mamounes qui m'ont appelé, n'ayez pas peur pour votre bien. N'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur. Donc, je vais vous montrer. N'ayez pas peur pour les biens. Oui, c'est la poule dure, mais c'est bien, c'est tendre. C'est tendre, c'est bien. Coucou Mamoun à moi. Marie-Françoise, comment? Où est votre papa arrive? Il est parti faire les courses avec Azaïe, là, juste à côté. Sidonie monte, je vais. C'est n'est-ce pas maman, rien à foutre. Ton nom là, alors rien à foutre. Donc s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Ceux qui sont sur Paris, allez récupérer vos tickets au restaurant Le Chalet. Maman Thérèse Mengue, tu devais prendre 3 tickets pour la soirée. Non, je pense, si je ne me trompe pas. Donc je t'attends toujours. Bon week-end. Ton nom, où c'est Endo? Bon week-end maman. Coucou maman, Gislain. Aimé. Donc, n'ayez pas partagé les mamans. Ça fait longtemps, non? Partagez le direct. Mon je veux le gars. Ok, y a pas de souci. Tu as IB. Faut vivre ma poussou. Courage encore, maman. Je t'ai suivi tout à l'heure. Que le Seigneur apaise ta douleur. Et que le Seigneur inonde ton cœur d'amour. Surtout, n'oublie pas de te retourner vers le Seigneur. Il n'y a que lui seul qui peut te donner la joie dans ton cœur. Ok, maman? Un gros cœur d'amour comme ça, là. Reste forte. Ok? Reste forte. C'est un ange qui te protège maintenant. Coucou, Nelly. Maman Nelly Panza. Comment ma maman sou? Ouais, les femmes, si. Donc, ouais, I'm fine, thank you sister. Vous avez encore l'anglais ici. Oui, là, merci, on m'a dit. Vous avez encore l'anglais. Oh, j'attendais le plan. Maman, non, les biens sont là. Le plan, c'est le 2 novembre. Les biens sont à Paris au restaurant Le Chalet. Si tu veux qu'on vienne te retrouver quelque part pour ton ticket, pour les tickets que tu veux prendre, tu me dis, il n'y a pas de souci. De rien, maman, ma fauchou, de rien, ma chérie. Donc, Maman Thérèse Mengue, les biens sont sur Paris, donc n'ayez pas peur. Les mamans qui sont loin, quand vous envoyez vos 100 euros, on vous filme vos tickets. Quand vous arrivez le jour là, prenez ça un jour avant. Vous allez au restaurant Le Chalet, avec le numéro de vos tickets, vous récupérez vos tickets. On ne va pas bouffer vos 100 euros ou vos 500 euros, donc n'ayez pas peur. Il y a une maman qui voulait prendre une table, donc n'ayez pas peur. Nous avons encore les tickets. Validez les tickets.
malheureusement, je ne suis pas sur place pour vous rencontrer, pour donner les tickets. Je ne peux pas. Vous avez les petits-enfants. Donc, on va commencer le mélange. Donc, n'ayez pas... Je fais... Pour le petit jus, là, voyez. Ouh, le goût. N'ayez pas peur, mes mamans d'amour. Bon, je mets ça une fois. Comme ça, ça fait... Ouais, ouais, les... Il prépare avec une main. Attends. Voilà. Les pommes, je mets à la fin parce que je laisse ça bouillir juste un peu les pommes, vraiment. Mmh. Ah, on rajoute plus de l'eau, rien. On laisse un peu. J'étais à 3, je vais remonter à 6. On va mettre un peu d'eau. Hein. Parce que là, vous voyez comment c'est beau à voir. Je vais mettre un peu d'eau. Juste un peu. C'est quand je vais mettre les pommes tout à l'heure, ça va encore... Partagez mes mamans, pardon. Et likez la vidéo. Vous n'avez pas liké les vidéos. Likez. Mmh, regardez-moi ça. Je suis encore un peu là. Voilà. J'avais apprêté ça au cas où. Parce qu'avec les légumes, ça absorbe tout. Voilà. Ça donne envie, c'est pas encore prêt, mais ça donne envie de manger. Ça donne envie de manger. Donc là, j'ai braisé, j'ai macéré au choix. Mettez ce que vous voulez, un peu d'huile d'olive, ça donne un très bon parfum. Voilà. Hello? Non, je connais. Merci mon bébé. J'essaye. J'essaye mes amours. J'essaye. Oh. Il faut assurer. Hein? Voilà. Je vais laisser. Je couvre quelques minutes. Quelques minutes après, je vais mettre les pommes de terre. Ça fait un bon goût. Ouais, les pommes de terre sont croustillantes. C'est croustillant, regarde. C'est bien. Un très bon goût. La peau est un peu, voyez. Ouais. C'est très bon. Le poulet du... Lui du village, oui. Ça a le goût, non? Mmh. Mmh. Les enfants, ça y est, les poulets. Coucou Marie-Bem. Ça va, je récupère, non? Un peu, elles sont là le soir. Le barrage, j'ai oublié que... Je n'avais plus assez de... Le truc des blancs. L'argent va entrer par où? Pourquoi ma main gratte fort fort comme ça là? Passez vos commandes, perruques, produits, Star Beauty. Pour avoir un teint qui glow. Sans filtrata. On dia. Donc.
On a oublié le papounet. Voyez les queues, non. Mon bébé Cindy Chou, c'est comment? Dago caviar depuis le Maroc. C'est trop bon, je vous assure. Hey, j'ai pas mis. Quand vous faites cuire vos pommes de terre, des mamans, mettez, laissez la peau, vous lavez bien vos pommes de terre. Mettez du sel. Vous lancez quelques feuilles de laurier. Coucou Sisto. Je vais commander la mienne. Ah, passe ta commande. Explique comment tu as fait les pommes. Voilà. Je n'avais même pas encore lu ton commentaire. Donc, maman, tu fais cuire tes pommes de terre la veille. C'est mieux la veille. Comme ça, ça a le temps de. Maman, les pommes. Vous faites cuire vous lavez vos pommes de terre. Vous faites cuire dans l'eau salée avec quelques feuilles de laurier à l'intérieur. Après, vous enlevez l'eau, vous laissez saler libre. Le lendemain, vous enlevez la peau. Après, vous macérez. J'ai mis l'ail. J'ai mis un peu de fond d'or fait comme le Maggi. C'est un mélange d'épices. C'est pour les pommes, c'est un mélange d'épices que j'ai mis. Et j'ai mis un peu de. J'ai même mis quoi d'autre. Pour moi, c'est vos choix. Hein. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre du paprika, celle qui aime le paprika. J'aime mettre du rosemarine, un peu de thymian. Ma petite soeur rêve. Et t'as attendu fatiguée. Ton tiret est tellement mis long que j'ai dit que non, la femme, c'est là où elle est danse. Elle est lancée. Les gens ont faim déjà là à la maison. T'as vu, mon dieu, maman, on veut manger, on veut manger. J'ai dit, voilà, tata rêve qui est encore en direct. Je ne voulais pas déranger ton direct, désolé, ma petite soeur. Mais ton direct a trop mis donc. Eh, j'ai la force, je fume avec bébé. Je n'ai pas la force. Pardon, je n'ai pas la force. Ton cœur blanc, merci mon bébé. En allemand, mais vous pouvez prendre d'autres. Vous m'insérez au choix. Vous m'insérez au choix vraiment. Vous voyez là, j'ai laissé quelques minutes sur le poêle, sinon ça va faire trop d'eau. Attendez, je vous montre. Vous m'insérez au choix. Mais n'oubliez pas de mettre l'huile d'olive, c'est très important. Mais m'insérez au choix. Vous voyez. Là, c'est pour les légumes que j'ai mis. Poireaux, bon, ça c'est quelques secondes. Vous laissez, vous voyez, ça m'a fait un bon jus. Quand je vais rajouter les pommes de terre, waouh, ouais, ça va être top. C'est très, 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 très bon. J'attends encore quelques minutes et je mets les pommes de terre et je tourne. Oh, la tomate, je vais m'arrêter la tomate. Donc c'est le courage. C'est le courage. Donc c'est le courage. Bon, voyez, un peu d'huile d'olive, n'oubliez pas de faire ça. J'aime bien ici. Non, j'ai dit que ça brille, je t'ai dit ma petite soeur. Top. Pas trop de sel. On a vu trop de sel. Là, c'est le résultat. J'ai mis dans le Israël. Vous pouvez mettre au four aussi. Et si c'est plus pratique pour vous. Et après, je vais faire le mélange. À la fin, je vais mettre un peu de basilic pour le côté vert chic. Mais sinon, c'est presque prêt. Me couvre plus. J'attends le deuxième tour des pommes. On coque un peu et c'est bon. Quand je mets les pommes, j'enlève ça du feu. Ah, c'est trop bon, franchement. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez rajouter un peu de piment. Mais moi, j'ai mis juste le poivre, un peu de gingembre. Les épices de la tomate, j'ai pris les condiments de Star Beauty.
J'ai pris une petite cuillère à café, demi-cuillère à soupe, à café, demi-cuillère. Et j'ai rajouté quoi? Oignon, ail, un peu de gingembre, oignon, c'est tout. Et j'ai mis là. C'est tout, ça vous fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Donc c'est simple comme bonjour. Voilà. Simple comme bonjour. Vous voyez, non? Merci, ma petite soeur. Ma petite soeur. Bon, direct, c'est chaud, hein? Que tu trouves seulement, je partage, je fuis. Parce que tu es direct. Tcha, 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 tcha. Là, 2 minutes encore pour les légumes. Quand je vous dis que... Ouais, mon bébé fait la douce. Elle adore. Hein. Et elle peut dire quelqu'un pour s'abandonner. Merci. Le week-end passé, c'était sponsorisé par RBI African Look. RBI African Look. Donc, ce week-end, c'est toujours RBI. Donc, n'ayez pas peur. Allez sur RBI, passez vos commandes dedans. Merci. Voilà, sur mon âge. Je ne fais pas mon âge. J'ai dit, j'ai une question. Vous, les rêves, là, pour profiter ma fouchou, Flore la Douce, Mozart. Quand une femme... C'est Emmanuel, on a besoin de... Elle, Michel. Quand une femme a 45 ans et l'autre a 41 ans, tu vas payer celle de 45 ans vieille. J'ai une question, je vous connais. Tu as ta soeur qui a 45, toi tu as 41, 42, toi tu vas appeler l'autre vieille femme. Une question, hein. Ou tu as 47 ans, l'autre a 42, 43. La personne va t'appeler vieille femme. Elle, Michel, bonsoir. Tu es nouvelle. Bonne arrivée. Ok, je pose la question. C'est là. Coucou Lydie Foucault, comment tu vas, maman? Tu vas bien, maman? Non. Ah bon, hein? Merci. Hey. Ah, Facebook, oh. Facebook. Tu sais pertinemment que tu as les bacaranquelles que tu vas payer l'autre que vieille femme, grand-mère. Oh, franchement. Ah, je t'aime aussi, on veut pour couper ma bouche. Ah, non, mais cette histoire-là me dépasse. Ça me dépasse. Pourquoi ne pas assumer vos âges? C'est une grâce de vieillir. C'est une grâce. C'est une grâce. Coucou maman Audrey. Voilà, maman dit non, pas du tout. Même génération. Hi, voilà. C'est une grâce de vieillir les femmes-ci. Pourquoi vous fuyez vos âges? Assumez. Assumez. Ayez. Je ne sais même pas comment vous dire ça. Faut assumer ton âge. Tu sais que tu es vieille. Toi-même, tu sais que tu appelles l'autre vieille, la personne qui demande de 3 ans, 4 ans, la vieille femme, là, la grand-mère, là. Mais c'est ton âge que tu fuis, là, que tu as enlevé, que moi, je prends, je pose sur ma tête et je vais vieillir comme ça. Je vais avoir cette grâce que tu me bénis tous les jours. Parce que le fait de dire tous les jours que la vieille, ce sont des bénédictions, mais vous ne vous rendez même pas compte. Vous bénissez. Et quand tu m'appelles, je dis, hey, amen, je reçois. Je vais voir mes arrière-petits-enfants sur terre. Je vais voir les générations et générations. Donc, assumez. Oui. Moi, Fondovi, c'est comment? Comment tu vas? Voilà, maintenant,
Je vous assure que c'est trop bon. C'est déjà cuit. Deuxième tour. Attendez, je vous montre. Oups là. Deuxième tour aussi. Presque prêt. Vous voyez même quoi, normal. Martine Palantiri, quoi. Mais c'est vrai. Même si tu as 43. Ah, maman Lydie Focam. Maman Lydie, l'histoire là me dépasse sur Facebook. L'histoire là, moi, ça m'a déjà dépassé. Je laisse encore un peu. Et après, je vais arrêter le feu ici. L'histoire là me dépasse, mais maman. Ça me dépasse. Là, c'était pour voir le regardez, alors, le parfum, poireau. Vous voyez. Quand tu vois, tu sais que le poulet est bien cuit. Vous voyez, mon ça donne envie. Et maintenant, on va mettre les pommes. Ça brille. Les yeux mangent. Exactement. Mais oui, maman Lydie, l'histoire là me dépasse. Ça me dépasse. Regardez Azaïe, regardez votre fils. Son lait est, est versé aujourd'hui. C'est ça qu'il a pris. Regardez l'état. Regardez-moi ça. Regardez vous-même. Je fais comment avec le chocolat partout. Vous-même, regardez votre fils Azaël. On peut faire ça à sa maman. Je dois seulement mettre ça à la machine tout à l'heure. Vous voyez votre fils Azaël. Comment il me cherche des problèmes. Ah! Il a versé le lieu de prendre la serpillère, c'est ça qu'il a pris, bon monsieur. Il a lavé ça, je dois mettre ça dans la machine pour retrouver l'éclat. Vous riez. Vraiment. Vous riez pas. Il a lavé ça fatigué, mais je dois mettre ça dans le. J'ai une question. Vous faites même comment Mamoun, même à 60 ans. Maman, c'est une grâce. Amen, je reçois. Vous riez. Les fans de, le fan code d'Azaël, là. Donc, vous riez. Ah, c'est quelque chose. Deuxième tour. Allez, deuxième tour. Ça a le goût. J'aime bien manger. Aujourd'hui là. Chérie, si tu me regardes là, prends-moi la despé, s'il te plaît. Si tu es en direct, je sors un peu du comme grève aussi. Aïe. Aujourd'hui là. Parce que Azaïe m'a trop énervé. Je mérite une despé aujourd'hui. Si tu me regardes, tu es dans le magasin, prends-moi une despé, s'il te plaît. Chérie. On s'est gâté un peu aujourd'hui. Et chaud, hein? Voilà. Maintenant, je mets le dernier tour. Ah, c'est le dernier tour. Voilà. Maman, je pense. C'est très bon, maman, je t'assure. Essayez ça à la maison, vous allez me dire. Là, je vais arrêter le feu. C'est très bon. Croyez-moi. Rêve dit quoi? Vous voyez comment ça fait? C'est bien. Je vous assure, c'est trop bien. Maintenant, je vais mettre ça là. Ouais. Pourquoi le bruit là, non? Oh. Faites attention. C'est de la tomate. Oh là 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 là. Le goût.
le goût. Et là, j'arrête le feu. Je mets un peu de basilic en haut. Voilà, j'arrête le feu. Je vous assure que c'est une tuerie ce que j'ai fait là aujourd'hui. Vous avez les invités à la maison, faites ça. C'est une tuerie. Voyez. C'est une tuerie ça. Le sel est parfait, pas trop de sel, évitez trop de sel, vraiment, je peux encore ajouter même deux pommes, non je laisse comme ça, je vais rajouter au fur et à mesure, voyez. Ouais. Oui, c'est vraiment très 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 bon, vous faites ça vraiment, quand même tu manges la pomme, c'est doux, ça te donne ce petit côté... C'est sucré, c'est macéré, c'est bon quoi. Maintenant, je vais mettre mon basilic. Chez, tu prends les pommes n'importe où, maman. C'était pas bio. J'ai pris Anfa. J'étais à Penny, j'ai pris les pommes à Penny. C'est Penny qui est Lidl un peu loin. Ciseaux pour hacher là. Tu prends, prenez les pommes, une chose que tu n'as pas besoin de bio là, aka. Ça dépend. Le goût, maman. Nelly Panza, ça a le goût. Ça a le goût. C'est les plantes là que j'aime souvent prendre les bio. Le goût. Là, j'ai arrêté le feu, c'est déjà bon. Hein? Donc, s'ils rentrent là, ils vont manger. Et mon pauvre. Ma pauvre, ma bouche. Papoula arrive. Voilà. Et les ciseaux aussi, je vous ai montré ça. Ça ne coûte pas cher. Allez sur Amazon. À super bien, faut faire attention, c'est tranchant hein? Ouais. Vous donne très belle forme. La cuisine c'est quelque chose vraiment de il y a ça pour enlever, ça enlève tout. Tellement bien haché que ça hache vite, vous voyez. Vite fait, bien fait. Ah là 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 là, c'est beau. Ah, s'il y a le ndor, c'est le courage. Le ndor, c'est le courage. Je sais pas, maman, rien à foutre. Faut attendre, je vais vous montrer ça. Comme ça, vous pourrez faire la capture. Ah, maman, c'est ça. Bon, je fais ça. Vous voyez, c'est bon. Comme ça, peut-être c'est mieux comme ça. Voilà. Là, comme ça. Faites la capture. Bon, j'enlève ça. Vous pouvez rechercher ça sur Google. Faites la capture. Il y a plusieurs couleurs. C'est bon? De rien. Voilà. C'est pratique. Vous voyez, regardez, vous même regardez. Ne cherche pas, il n'y a pas d'eau. Regardez vous-même. Ah!
quand je vais servir ça maintenant au papounet là, attendez, il arrive à bien manger. Béo, n'oublie pas la despée, s'il te plaît. Ailleurs, c'est là où flatteurement. Béo de mon cœur. Béo, pardon. C'est flatterie sur vous maintenant. S'il a en direct, il a perdu, c'est vraiment tu es folle. Je laisse d'autres pommes de terre de côté. Vous connaissez les enfants de Mbeng. Azaï va dire qu'il mange. Une des jumelles va me dire que non, maman, moi, j'aime pas quand c'est dans la sauce, il mange. Pourtant, c'est la même chose. Donc, du coup, je vais laisser un peu de côté comme ça et voilà. Ils vont manger. Bien sûr. Ah, je dois flatter. Si il me flatte, pas encore flatter. Oui, je vais donner. Mary Gonda, comment tu vas, Mamoun? N'oubliez pas de recueillir vos tickets du 2 novembre. Pardon, mais Mamoun, nous avons encore les tickets. Le 2 novembre, ça ne souffre de rien. Tout le monde. Mais j'ai dit que ce jour-là, la personne qui ne sera pas bien coiffée, ou avoir une peau, un genre là. On vous voit vous briller dans vos directs. Les filtres, c'est monté, c'est descendu. De deux là. La personne qui n'a pas une belle peau. Pourtant, stable, tu es là. Me sentir. Le jour là. Qu'est-ce que vous clashez dans Facebook? Je vais clasher. Je commence par. Toi, la douce, comment ça après ma fou après fan club et suis je prends rêve je vous la je propre même je vais même pas vous louper j'ai raté l'éducation à quel à quel niveau hein? J'ai raté à quel niveau je vais même pas vous louper. Chacun a sa part de moins cher. Vous êtes mes moins chers. Oh. Allez, sur Facebook. Alors, moi, vous voyez à l'époque, quand mon mari se levait sur Facebook, quand tout le monde voyait seulement ça, on parle, on est sur Piu Piu Piu. Des jours, il a dit que maintenant, là, moi-même, je suis un gars de Ndokoti. C'est chaud. Je vais clasher. Laisse-moi que maman, zéro maman à l'heure là. Je vais clasher. Je vais dire au papa que bon, maintenant. Non, je vais faire ça quand il ne sera pas là. La séquence, je me fâche. Le retour est souvent très, très, très mauvais. Parce que moi, je te confie seulement au Seigneur de mettre mes genoux au sol. Ça prend le temps que ça prend. Mais, si je t'ai rien fait là, tu vas payer ça, mais très mal. Très mal. Très, 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 très mal. Oh là là, je vous assure que c'est trop beau à voir. C'est. Quand vous cuisinez, nettoyez toujours à côté de la marmite. Ça fait propre. Vous laissez, ça sort de partout, nettoyer, vous lavez le couvercle, parce que quand vous couvrez, c'est sale, vous lavez, vous gardez, c'est propre comme ça. Ça donne envie de manger. Hein. Les yeux mangent rêve. Vous même regardez-moi ça. Comme ça, ça donne envie, hein. Ça fan club, les noms des gens que tu viens mettre ici, pardon. Pardon. Voilà. Maintenant, les gens là peuvent venir manger. Maman est prête. Tu as vu, non? C'est top, ma petite.
là, là, on te sert là. Aïe, 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 salaud. Ouh. Reste encore un peu. Les ongles se reposent d'abord. Fatigué là. On va seulement faire les ongles le 2 novembre. Maintenant là, seulement le vernis. On reste la tour. Eh Seigneur. Je vais commencer par rêve. Parce que la bouche de ma petite ce rêve là, c'est d'être assis. Je vais commencer par toi. Je suis parfait. Je ne vais pas louper maman Eli. Ah, maman Julie, il ne faut quand même pas vous louper. Je vais. Amène ton point, je vais mettre un brassard. Ouais. Qui m'appelle? Quand je vais commencer, je vais mettre une casquette. Moi, je ne vais pas mettre des tenues militaires. Je vais mettre les cabas. Les mamans du village, maman Ondoula, la tâche ici. Bien, je m'assois, attache bien mon foulard là et m'assois. Alors maintenant, on fait ça propre. Là, ce que vous dites là, mon propre. Je prends un rêve, je donne. T'as pas de biographe. Et dis même où tu es né. Parce qu'on sait même pas où tu es né, rêve. Donc, je vais te donner ton adresse. Ouais, je vais donner l'adresse de rêve. Elle me fait avaler de travail ici. Hey, Facebook. Si tu n'as pas peur de Facebook, tu vas pas avoir peur de quelque chose. Parfois, tu entends une personne, voilà, la personne déçue. Je connais. Son clandestin enterré là-bas. Tu ne connais ni d'Adam ni d'elle, mais tu vas créer une histoire. Non, Facebook. Je veux les épices. Ok, ma petite soeur, il n'y a pas de souci. Quand tu vas avoir les épices de poisson, quand tu vas faire le poisson, tu vas dire que non, c'est encore quoi ça, faire la pub des épices. Il y a une maman qui a. Maman Madeleine, elle est là même. Ah, mon bébé Catherine Chou. Hé hey, mon bébé, comment tu... J'espère que tu vas mieux. Je t'ai vu hier, avant-hier là, tu étais en direct, j'ai partagé. J'espère que tu vas mieux, hein. Pas la grâce. Repose-toi. Et enjoy. La vie est très courte. Aimons-nous, partageons l'amour, c'est très important. C'est très important. Nous vivons. Ah, comment la vie est courte. Bonjour la vie. Oui, ça va. Amen. Rêve dit quoi? Amen. Oui, nous sommes quoi? Quand vous cuisinez comme ça là, profitez une fois. Vous rangez. Parce que après, quand les gens vont manger, nous sommes. C'est rempli. Après, quand tu manges, tu es fatigué. Tu as la paresse d'arranger. Donc, fais toujours, quand on finit, nettoyer ce qu'il y a là à nettoyer. Comme ça, il reste juste les plats, les ceci. Et voilà. C'est très important. Déjà plein les filles. Elle est devenue bête de quoi? Bête de rêve. Pourquoi bête? Comment je suis même souvent dans Facebook comme si je n'étais pas là? Il y a encore quoi? What happened? I don't know what my lovely doctor l'anglais sur vous. I don't understand what you mean. What do you mean, please? You can say again. Say again, please.
Ça voulait suivre vous. I don't understand. You mean my little sister have do something? I don't understand. What? Vous moquez de moi. Je peux lire l'anglais. Hein? Hein, pas trop. Je peux. Et vous n'êtes pas gentil, hein? C'est bon. Je parle mon anglais, vous riez. Il y a les American Girls qui sont là. Venez me dire que je n'ai pas bien parlé. Parfois, ils font exprès, les mamounes là. Elle vient te bombarder l'ondes en anglais comme ça. Et comme moi aussi, tu ne maîtrises pas l'anglais. Dès que je vois un long test, venez me voir comment je me bats pour lire. Comment elle ne parle pas. Tu as vu, non, ma fille, fait la douce. Je ne regrette pas. Elle dit que. Nicole allait dire quoi? Merci, ma chérie. Ah bon, parce que vous êtes les deux mamies par là-bas. Donc ça, tu aimes ton game. Fan Club était d'abord ou depuis là? Fan Club, tu étais où depuis? Rêve t'a fait sortir. Ouais, rêve. Nice English, maman. Really? Oh, thank you. Thank you. I'm trying to speak a little bit. You know, I'm come for Camu. I'm trying. Oh, c'est cool. J'étais sûre que Fan Club avait ri. I'm trying, you know. Hey, Meji. Ah, Asia. Coucou, maman amé. Et ça, toi aussi, tu viens te moquer de moi. Attends, voyez les cœurs partagés. La dernière fois, on avait Kongosa. Hey, Kongosa est là. Tu es à quoi venu? Tu es venu, Kongosa? Maman, Kongosa. La dernière fois, on avait eu le dernier direct qu'on avait fait, où j'avais dit à une maman qui m'avait posé une question, où j'avais dit, si tu vis avec un homme, qui ne sait pas te faire plaisir, qui n'est pas attentionné, que tu sois malade, tu es auprès de lui, il ne se gêne pas. C'est pas te faire plaisir, veut dire... Fait plaisir, enlever un peu d'argent donné à ta femme. Fais plaisir, voyager avec ta femme, lui faire plaisir. Pose de son anniversaire, tu sais pas, même faire un petit cadeau. Et quand vous avez même des rapports, excusez-moi, rapports sexuels, après les rapports, tu tournes le dos, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas. C'est ce que cet homme-là ne t'aime pas. L'homme-là ne t'aime pas. Réfléchis. L'homme-là ne t'aime pas. Parce qu'un homme qui t'aime après un moment intense, tu es dans ses bras. Donc réfléchissez. Réfléchissez la maman. J'ai eu des coups de fil. Maman me dit. Tinda dit quoi? Oui, maman me rit, vraiment, les gens oublient ça. Vraiment, faites attention. Faites très attention. C'est ça qui nous tue. Et parfois même, il y a même les femmes, tu es dans un foyer, tu sais pertinemment que l'homme ne t'aime pas. Coucou maman Alice Bénin. Oh, ça fait longtemps, elle m'assiste. Mais tu es là-dedans.
tu ne dors pas, ton cœur est comme ça. Tu ne dors pas la nuit. Parce que, ouais, quand tu vois une autre femme, surtout Facebook, ça tue les gens. Tu vois une autre femme qui va poster, oh mon gars m'a offert ceci. Oh, oh, aïe mon chéri, merci mon amour. Pourtant, ce n'est pas son gars. Mais pour le matin, vous des réseaux sociaux. Vous mangez les sols tous les jours. Vous ne mangez pas le riz sauté chez vous. Vous ne mangez même pas le bouillon. Ce n'est que le luxe. Pourtant, c'est faux. Le jour où je te donne de manger pommes de terre, poulet, tu rends gloire à Dieu. Le jour où tu ne peux pas, c'est le riz sauté, une sardine. Tu montres ça parce que c'est la réalité. Coucou Alida, Ashuka. Hein? Chungkwang, you speak good English. I can confirm it. Ah, thank you, my Lord, my lovely daughter. Donc, je peux même lire là. Ouais, comment j'ai lu? You speak good English. I can confirm it. Oh. Ouais, je lis même bien avec l'accent un peu. Chez moi, donc vraiment devons faire attention. Voilà, c'est bon. Voilà, voyez, regardez. Oh, regardez la couleur. Regardez la couleur. Je trouve que c'est bien croustillant. Top essence, un très bon parfum. Je dis l'anglais, pensez que quoi? Maman, pardon, likez la vidéo. Likez, partagez. Mais non, c'est le samedi, non. Fan Club est décidé sur Rembia. Rembia a fait quoi ici aujourd'hui? Ouais, que les enfants, si. Rembrandt, on dirait Isa Danger. Hein? Elles sont pleines sur Meta. Mais oui, Mamoun, faut pour faire ma fauchou. Mais oui. Arrêtez ça. Parce que vous faites du mal aux autres. Oui, Mamoun, oui, je suis en direct. Je t'ai envoyé la photo, c'est ça. Hein? C'est ça, la photo que je sais ça. Ah, ok, ok, tu vas me donner les indicatifs, pardon, tout à l'heure. Au fulfillment, Fouchou, c'est ça. Elles sont toujours pourtant toi. Et quand tu vois ça, tu vois peut-être d'autres même, hein, ton mari, ton homme n'a pas. Mais le peu qu'il te donne, tu as les gros yeux comme ça là. Tu as les gros yeux. Tu veux seulement aller quand t'achètes aussi un sac MS. Ah! Les doigts, c'est regarde, petit rien. Faut jamais envier. I am delicious. Yam yam, delicious. Ah, yam yam, delicious. Ah oui, c'est vraiment. Je t'ajoute, maman, ce que tu dis là est vrai. N'enviez pas les autres. L'envie. N'enviez pas les autres. Le peu que ton homme te donne, si c'est que c'est un petit 50 euros qu'il peut te donner, ma chère. Et tu vois, les sacrifices que ton homme fait rend gloire. Attends le jour, lui aussi va pouvoir gagner, t'amener à la galerie Lafayette, aller chez lui Vuitton pour te faire plaisir. Mais le peu que tu as, sois fier de ça. Sois fier. Si tu ne peux pas aller là-bas, Versace, là-bas, Armani, tu peux te contenter là chez AliExpress. Habille-toi tranquillement. Tu sois heureuse. N'envie pas, parce que l'envie, après, ça devient la sorcellerie. Ça devient la sorcellerie. Tu ne dors pas la nuit. Tu vas commencer à regarder le tour. Pourquoi Mamoun, faut profiter ma fauchou. Je vais la poster une tunnel. Et oh, la jalousie, c'est la sorcellerie après. Arrêtez d'envier la vie des autres. La vie. La vie s'y est due là. Coucou maman Elise. Maman, bonjour. S'il te plaît, donne le nom de la marque.
de cet appareil. Et maman, j'ai déjà montré ça. Je vais. Qu'est-ce que je peux même faire? Viens dans le eBay, maman, je te filme ça. Parce que chaque fois que je monte ça, Facebook signale couple direct. Je ne sais pas pourquoi. Après le direct, viens dans le eBay. Je te filme ça, je t'envoie. C'est très bien. C'est la marque Philippe. C'est bien, ça fait vraiment super bien. Sans, tu vois, c'est vraiment bien. Et il y a même les petites... Mais oui! Mais oui! Et ça, c'est bien te sentir, bien combiner tes accessoires, tes chaussures et tout. C'est tout. Et tu vas être chic. Arrêtez d'envier des autres. Arrêtez. Parce que tu ne peux jamais, hein, là où les pasteurs, la personne va te tremper ou faire quoi. Parfois, c'est sa chance. Une autre, d'autres même, c'est leur vie même. Mais n'envie pas. Tu sais pas comment peut-être le couple là a souffert pour en arriver là. Pour pas envier. Je parle. C'est ça. Trop envier, même ceux qui peuvent même se permettre c'est la vie de luxe là, vraiment, n'envie pas maman, parce que tu ne sais pas d'où ils sont passés pour en arriver là. Peut-être même le couple à voir comme ça, le Seigneur les a bénis, ils peuvent. Donc, mais il ne faut pas, tu vas pas aller tuer ton homme que non, j'ai vu aujourd'hui, on a, hein, son homme a fait ceci, toi tu es ici, tu m'insultes seulement, tu commences à insulter ton homme. Et l'impulsivité va te pousser, tu vas abandonner l'homme, tu vas aller chercher l'autre qui va te flatter. Début de relation, là, tu vois comment un homme vous drague, là, c'est doux comme ça. Petit restaurant par-ci, SMS par-là, des attentions qui flattent la femme. Au bout de 2-3 mois, là, c'est fini. La réalité va te rattraper. Te voilà, tu vas faire comment? Pourtant, l'autre, tu avais travaillé, il y avait dans une fondation. Il pouvait déjà enlever même sa carte, te donner. Tu avais un petit truc qui te donnait. Tu abandonnes tout. Tu te retrouves dans éternellement recommencement. Tu recommences à zéro. Voilà, tu balances comme ça. Pourtant, tu étais là bien parti. Et quand tu vas laisser celui-là, là, tu vas prendre un autre. C'est là où le Seigneur va le bénir. Tu vas voir, lui aussi sera dans une grosse voiture. Il va amener sa femme là-bas. C'est un mélange, maman. Merci. Donc, il faut faire attention, il faut avoir la patience. Hein? Parce que je peux laisser mon gros papounet ici. On ne peut pas. Hein? Pourquoi? Quand les milliards vont arriver, c'est vrai là. Il n'y a pas de milliards, je suis là. Bango, Bango, Mamoun. Zéro. On est là ensemble. Qui va abandonner qui? Vous rigolez. Lui et moi, on ne rêvait même pas que maman dit, je suis là. On n'a pas mangé le riz. Le riz sautait pour les jours. Le jour qu'il y a mangé la somme, le jour qu'il n'y a pas mangé le riz sans sauce. Elles sont à la fin. Le mariage alors facile, maman. Est-ce que le mariage est facile? Est-ce que le mariage alors facile? Ayez toujours ça à la maison, c'est très bien pour laver les marmites, vraiment c'est bien, le riz là, le blanc là, c'est très bien. Maman, le mariage alors facile, on va te donner le même mariage là, ça va te dépasser. Ouais, les gens dans leur foyer, Seigneur, vas-tu? Amen, amen. Ah, je me plains pas ma soeur. Je me plains pas, je rends gloire tous les jours. C'est le moment où je peux manger même mon riz. Mon riz sauté tous les jours. Je ne suis pas malade, mes enfants, mon mari. Je rends gloire. Le reste là, vraiment, ça ne m'impressionne pas. Je reste moi. Voilà. Quand tu as compris ça, rien ne peut te bluffer. Rien, donc tu as les pieds sur terre, pieds sur les épaules. Ah, c'est ça, hein?
Mais tu sais que maman, il y a d'autres, quand le pied arrive, elles abandonnent. Parce qu'elles ont les longs yeux. Tes yeux sont longs là-bas. Tu fuis. Non, mais vraiment, quand j'avais connu mon mari, il n'était pas comme ça. Maintenant, même pour manger, vraiment, hein, vraiment, les copines là, pour ça on dit parfois, éviter n'importe quelle copine. Ta copine, elle est jalouse de toi depuis des années, mais toi, tu ne sais pas. Elle va venir te conseiller que... Non, vraiment, il y a un monsieur là. Moi, je suis sortie, hein. Tu vois, j'ai vu comme ça. Elle va te conseiller d'intoxiquer comme ça. Belle que tu es, tu vas te lever. Tu vas commencer à manquer du respect à ton mari dans la maison. Tu vas commencer à faire des choses des grandes dames. Et tu vas perdre un bon mariage comme ça. Donc, fais attention. Fais très attention. Vraiment attention, mes mamans. Je suis toujours avec que, comme il fallait que je finisse avec ça, mais maintenant, je suis en paix. Tout est propre. Quand je mange là maintenant, je n'aurai pas de place. Hein. Sois bénie, maman. Ah, merci de rien, maman, c'est normal. Oui, c'est pas facile, maman. La femme qui va venir vous dire ici sur Facebook que non, elle son foyer là, c'est de l'or. C'est. Dis à cette personne que. Donc, maman Béatrice. Comment? Merci. Dis à cette personne que. Ce n'est pas bien. C'est pas rose tous les jours. Il faut juste savoir gérer. Vous voyez, c'est pas facile, mais il faut avoir la tête. Coucou Sisto, c'est comment? Maman Suzy. Maman Suzy, c'est comment? Sisto, ouais, Sia. C'est vrai que ça, est-ce que c'est. Maman Vicky, si on va regarder ça même. Tu ne peux pas aller regarder ça. On ne peut pas aller regarder ça. Toi, tu vas aller regarder ce qu'il y a les MS. Tu ne vas pas dormir en paix. La personne va te poster la facture. Ton cœur, que tu ne vois même pas l'année. Ton cœur va grossir comme ça là parce que tu as le gros cœur. Tu as envie les autres. Mais pourtant, tu vois ta soeur. Waouh, tu apprécies. Ah, oh, c'est bien. Sans avoir les longs yeux. Tu peux pas regarder ça. D'autres même, maman, toi, tu n'as pas mangé, tu n'as pas ça. Mais quand la nuit arrive là, quand tu poses ta tête, maman, tu dors profondément, tu ronfles. Mais ceux qui ont l'argent là même, quand tu ne dors pas, je n'arrive pas à dormir, je dois boire les somnifères, je dois faire les confusions, je dois. Problème sur problème. Bête, as-tu resté là où le Seigneur t'a positionné? Chacun a sa part de position sur terre. Là, le Seigneur t'a positionné, accepte ta part de rang social. Et tu vis avec. Ça va, merci. Les épices. Oui, il y a les épices à Paris. N'est-ce pas, rêve? Vraiment. Je vous assure, tu peux. N'est-ce pas, maman Suzy? Je vais essayer. J'essaie. Non, mais c'est vrai parce que. Il faut avoir le mental, le discernement, surtout quand on est en couple. Il faut avoir le mental, le discernement, parce qu'avec le discernement, ça te permet de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Même quand tu es entouré d'une mauvaise personne qui va essayer de te dire que, mais attends, ça, ton homme a fait quoi? Ah non, moi, hein? Moi, je ne peux pas. Il y a d'autres là. Et si mon homme me trompe, quoi, je le laisse. Si mon homme, jamais, moi, jamais. Pourtant, elle te parle là. Tous les jours, elle attend. Son homme te trompe tous les jours. Mais toi, peut-être, en une année ou en trois ans, ton homme a fait l'erreur une seule fois. Mais j'ai sauvé le mariage d'une maman qui est ici. Et j'ai sauvé son mari. Elle m'a dit que non, arrête.
Ton mari a fait une erreur, il a reconnu. Jusqu'aujourd'hui, la dame là, une dame baffant, elle est ici en Allemagne. Je n'ai jamais vu. Elle me dit, mais c'est jusqu'aujourd'hui. C'est qui va te dire que moi, la fille de tel, moi, jamais. Mais elle souffre, elle ne va jamais te dire la vérité. Mais toi, ton mari a sûrement fait petit comme ça. C'est vite fait ça, parce que les hommes aussi pensaient mal. C'est vite fait ça. Hein? Aka, j'ai vu ça avec mon mari. Aka, Jean-Louis. Et ta femme là même, c'est même quoi que tu peux plus sortir avec nous. C'est même quoi ça. Et ta femme là, seulement l'eau. Ta femme là. Mais c'était pas moi. Il a pris sa décision. Lui-même vu mon comportement. Parce que j'ai su faire l'amener à voir certaines choses. Il dit que non. Tes amis sont casés, ils ont tout regardé. Mais toi, il a dit non, ma femme. Au final, il m'a donné raison. Ils sont des gens qui ne t'aiment pas. Mais il a fallu du temps pour que mon mari comprenne que, aïe, la femme, c'est depuis qu'elle parle. Elle a parlé. Parce que moi, je parle une fois. Je ne reviens plus, je laisse le temps. Parce que quand tu parles à un homme, un, deux, trois, quatre, ça devient... Ça ne m'a pas entré. Tu parles, je t'avais dit que... Tu te rappelles ce que je t'avais dit. Regarde ça. Tu parles. Il va, ça va rester là, ça va pénétrer dans sa tête. Regardez là, comment là, ça entre. Ça va entrer, là, j'entre. Nous devons faire attention. Parce que le dehors est mauvais, l'homme est mauvais. Demain, je vais acheter la terre lundi. Enlever là, je vais mettre la terre et ça va bien pousser. Ça va bien pousser. Nous devons faire attention, n'enviez pas les autres. N'enviez pas. Vous voyez, maman Méné, elle se lève tous les jours, elle est dans son magasin, 2h, 3h, elle est en train de vendre. Elle vend, elle est dans son magasin, elle se bat. Quand elle se lève, elle dit que m'avait bien mangé. Tu vas dire, hey, j'ai envie la fille, elle mange tout le temps, elle est dans des bons restaurants, elle fait ceci. Elle souffre pour ça. Elle se prive des semaines, des mois, quand elle décide de faire plaisir. Tu vas voir que, ouais, elle vit toute la vie des reines, elle fait trop si. Non. Il faut être organisé. Il faut organiser dans la vie. Enlevez la jalousie dans vos cœurs. Enlevez surtout les femmes là. Les vraies femmes se soutiennent. Les vraies femmes sont celles. Quand tu vois ta soeur qui est dans le problème là, au lieu d'aller dire à ta soeur que non, quitte dans ton ventre, donne-lui un bon conseil. Pourtant, toi-même là, tu vis pire. Mais pour elle, elle est seulement petite comme ça, mais tu vas aggraver pour toi. Eh non. Faites attention avec les amis. Hein. C'est trop bon, les pommes là, c'est trop bon. Regardez, c'est comme le beignet. Trop bon. Ça le goût comme ça. Faites la recette à vos maris. Là, le week-end, les magasins sont encore ouverts. Allez acheter les pommes, même avec le poisson. Tu fais une petite sauce blanche. Peut-être même avec champignons, tu fais un poisson à la poêle, tu restes un peu de sauce là, tu fais les pommes comme ça, tu lui donnes. Il mange, il va adorer. Ça, c'est très bon. Il va adorer, c'est trop bon. Même au four, vous pouvez faire ça.
Mais vous mettez pas sur le papier à l'huile. Vous mettez sur le papier cuisson. Ça va vous donner ce côté croustillant. C'est très bien. Vous laissez l'espace, ça doit pas être trop serré. Voilà, c'est très très bon. Faites ça à votre chérie. Voilà le week-end, non, demain dimanche, tu fais ça. Wow. T'as acheté quoi? Les chips et baba. Tu voulais manger? Oui. T'as pas aussi besoin d'aller manger? Papa a faim, il a dit. Papa a faim. Je reviens les jumelles. Maman, c'est ça, non? Pour ton papounet, là. Maintenant, c'est le moment de dresser, maintenant. Faut dresser le roi. C'est le roi qui est là, là, là. Voilà ma part du roi qui est là, là, là. J'assume des... Voilà ma part de roi. Que... Coucou, Maman Rose, t'es clair. Hé, Maman, toi, là, tu me gardes mal, hein. Maman Rose. Attendez, je vais me regarder la mamie. Yeah. Maman Rose, tu me gères pas bien, hein? Regardez ça. Tchao. Regardez comment c'est calme, comme ça, ça dort. Vous me regardez. Aïe, attendez. Vous avez vu ça? Et comment? Ah non, je connais. Bon, et c'est lui, monsieur mon mari. Avec amour. Coucou. On m'a bien dormi. Oh, on va faire Kino Aven aujourd'hui. On va regarder le film. Oh, non. Maman. Oh, les filles ont bien dormi. Allez vous asseoir alors. Waouh! On va faire Kino Aden aujourd'hui. Kato fait, je vais vous servir. Non, pas maintenant, on va manger, je vous sers. Asseyez-vous. Asseyez-vous, tu fais la table alors. C'est trop. Je mets après, je vous montre comment j'ai servi. Oh yeah. Ici. Regarde. C'est trop beau à voir. Franchement, je vous conseille ça à la maison. Allô? Je vais vous servir, Zahé. Fais la table. Attention, il y a les nappes en bas. Mais moi, je prends le plat. Mais Esma, non, je vais vous servir. Prends ça, celui. Azela Daddy, houhou. Kato fait les quoi, tu as dit? Poulet. Et poulet. Mm-hmm. Elle est déjà contente qu'il va bien manger. Maman, tu as coupé. Attendez, je fais ça. Maman. Yeah. Oui, attends, maman. Oui. Ah, où? Regardez comment si. Regardez-moi ça. Non, pas de télé d'abord. Regardez-vous-même. Ça a le goût. Ah, attendez, il manque de carottes. Je dois encore ajouter un peu de carottes. Des dons comme ça. Ouais, carottes. Poivron rouge. Pour les couleurs.
Voilà. Ouh, j'ai sali. J'ai sali alors. Oh là là, j'aime pas ça. Je vais bien servir. Regardez. C'est beau, non? Voilà, je vous assure, c'est top! Bien moelleux, les pommes, tomates, il n'y a pas d'eau, voyez. Hein? Il faut faire. Ajouter un peu. Azaï, je vais te servir. Je sais que tu as faim. Je te sers, mon bébé. Ah! Ah! Azaï veut seulement me manger. Je vous assure. Tu veux monter avec tout ça? Azaï veut me manger. Tu as mangé à tout. Les yeux vont. En bas. Et tout le monde avec tout ça pourquoi? Va donc le faire, que tu sais le faire. Lève les choses, tu lèves. Bon, les petites là. Voilà. Maman voulait aussi manger. Allume alors là. Vous avez beaucoup de pommes. Oui. Et là, les pommes, je vais rajouter les pommes. Beaucoup comme ça. Qu'est-ce que je t'ai parlé des yeux là? Je t'ai dit quoi avec les yeux? Maman, il y a Oreo. Hein? Il y a Oreo. Oui, vous allez d'abord manger les Oreo, c'est pas maintenant. Maman, c'est un peu. C'est 4 heures. Oui, c'est 4 heures. C'est tout. Tu vas manger. Bon, tu vas arranger le reste. Tu poses les yeux direct. Tu montes et tu le descends. Tu veux faire les Oreo. Pas de sucrerie, ça c'est pour demain. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Tu rends ça bien avant. Je veux pas que tu le éteins la lumière comme directement. Oups. Qui veut un gros poulet? Joanna Chilo. Ok. Very nice, non? Non, c'est en bas. J'ai un 20 euros. On te demande, ils sont du repapounet. Tes enfants te réclament. Ok. Tu prends en bas. Ça, tu mets dans le plat. C'est pas bon. Hum? Merci. Joanna Chilo. Dans le poumon, papa.
mangé. Alors, il est mangé. Bon. Bon, ça ne veut pas. Attendez, je vous montre comment ça se présente. Attendez. On n'a pas encore goûté. On goûte toujours. Maman, je pense que pour toi ça. Non, non, non. Maman, il est donné seulement 3. Pourquoi? C'est pas beaucoup. Tu veux plus? J'ajoute encore. Non. Maman, t'as mis ton kilo de non, c'est pareil. Pourquoi tu veux amener les problèmes, Johanna? Johanna, pourquoi tu veux... Le poulet. Et ça, le coup comme ça. On a fait tout. C'est, attendez, vous montrer. C'est bien cuit. Attendez, je vous montre. C'est bien cuit. Oui. La viande n'est pas du tout dure. Oui, on va enlever ça facilement. Oui, non. La poule dure. C'est la poule dure. C'est bon. C'est très bon, regardez. Yeah. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Maman. Mmh. Ouais. Ouais. Mange alors. Mmh. Bon. Tellement faut pas. Ouais, regardez. Regardez. Mon grand-père. Regardez ça. Allez. C'est bien cuit, pas trop. Là, les pommes sont finies. Je vais rajouter dans la marmite. Parce qu'il y en a plus. Il n'y en a plus assez. Je vais rajouter les pommes. Voyez, non. C'est que tout le monde va. Je vais encore me dire maintenant que maman, je veux encore les pommes. Merci, mon bébé. Tout le monde va encore me dire maman, maman, je veux encore les pommes. Regardez, regardez, attendez. C'est vraiment délicieux ce qu'on mange. Non, tout le monde doit finir, sinon il n'y aura pas de... Tout le monde finit. Maman, maman, je veux finir. La personne qui ne finit pas... n'aura même pas de, de chocolat. Je vais plus faire le pain. Non, tu finis les, tu me finis tes pommes. Tu finis pas, il n'y aura pas le pain. Eh bien, ne donne pas le pain. Chacun finit d'abord. Oui. Sinon, il n'y aura pas de, Je vais pas faire le pain au raisin demain. Le chantage, je le sens. Mais papa, il est pas plus du pain et encore deux. Oui, non, j'ai dit. À papa. Ouais, vous pouvez couper. Allez, ça mange pas, les mains. Bon, attendez, je vais vous mettre. Allez, comme ça. Non. Et puis, à quand? Ma pomme. Elle était entière. La tomate sur du blanc. La tata. Regardez. On va enlever facilement. Elle dit c'est bien cuit. Voyez-moi. Bête. Tu veux quoi? Un coup de laisser toi. Mmh. Sapi.
La pâtisserie. Oui, avec la conserve. Avec la conserve. Bon appétit, maman. Bon appétit, maman. Ouais, la pâtisserie. Tu connais la pâtisserie. La pâtisserie. Pâte au fer. Le stade au pâteau. Mais bon appétit. Ah, mais vous les femmes, si vous êtes adorables. Ouais. C'est trop bon. Franchement, faites ça à la maison. Faites ça à la maison. Vraiment, les enfants vont adorer. Votre mari va adorer. La tomate doit bien cuire. Vraiment comme au pays. La veille, tu peux laisser ça 30 minutes parce que tu laisses le lendemain, tu viens, tu fais ta règle, tu fais faire ça bien, comme au pays. La tomate ne doit pas être le goût acide, là. Bien, bien lent. Voilà. Trop bon. Bon, on va manger. On va rejoindre les gens à table. Bisous. Bisous. On vous laisse. Vous êtes trop ndok. Il y a trop de ndok ici, là. Il y a trop de ndok. Allez, je vais encore ajouter. Encore ajouter le temps. Regardez. Vanessa, il vous dit quoi? Il y en a un peu, oui. Je vais encore. Voyez la couleur. Je pensais que c'était les poumons blancs. Là, ça allait faire ce côté blanc. Le côté blanc en jarre, là. Mais là, ça vous donne un bon côté, là. Regardez. Je n'ai pas encore mis la tomate dessus. Regardez ça déjà. La couleur, ça donne. Ok, tout à l'heure, mon je suis en train de... Courage, mon bébé Flore, la douce, courage. Ok, à tout à l'heure. Bisous, bisous les mamans. Merci, je vous aime. Likez la vidéo, partagez. N'oubliez pas de passer la commande des produits, Star Beauty, les condiments, les perruques, Star Beauty. Et les produits de beauté. N'oubliez pas de passer vos commandes. Et n'oubliez pas de prendre vos tickets pour le 2 novembre. Les tickets sont sur Paris au restaurant Le Chalet. Vous pouvez passer par moi. Je vais vous orienter ou aller récupérer vos tickets pour le 2 novembre. Ok, bisous les mamans. Je vous love. Bisous, bisous.